Et re les amis, on se retrouve dans ce train qui nous a causé bien les ennuis. Et remonter dans le train et repartir, c'est parti. On retourne retrouver les deux amis. Alors excuse-moi, j'essaie de remettre bien mon micro. Voilà, c'est mieux. Et c'est parti. もうそろそろノクトって呼んでもいいかな。お、久しぶりに死ぬかと思ったよ。やっぱり神様の力は強いな。でも俺も強いんだよね。死にたくたって死ねないっていうか。にしても粉々にするとはな。痛かったよ。いいものを見せてあげるよ。これなんだ。あ、誰のだって聞くべきだったな。見覚えあるよね。はい。なんちゃって。君にはあげないよ。どこにいる？誰が？プロンプト君ね。この先。先？テート・グラレア。わかる？うちの首都。そこまで来ればさ、会えるんじゃない？ルシスのクリスタルもそこだ。あれは死骸に効くんだ。取り戻したらどう？んじゃ気をつけて。お友達が待ってる。そろそろテートに着く頃か。ああ。どんな街なんだろうな。死骸だらけっつってたっけ。気が重いぜ。中へ入ったら要塞を目指すぞ。要塞？ジグナタスと呼ばれる巨大な軍事施設があるんだ。クリスタルもプロンプトもそこか。攻めがいがあるんじゃねえか。しかし、クリスタルに死骸を駆除する力があるってのには驚きだ。そう考えている者もいるだけで、確定したとは言えないが、死骸の勢いが、夜が長くなったことと関係があるとしたら、クリスタルの奪還は、ルシスというより、世界にとって重要なことなのかもしれないな。ま、とりあえず返してもらってから。どうした？何かあったのか？さて、また非常事態か？Bon, encore une bonne nouvelle ou vraiment une bonne nouvelle? Sait-on? Avec tout ce qui nous arrive en ce moment. C'est pas une bonne nouvelle. Ah, ils sont casse-couilles des Daimon. Apportez son pouvoir d'invocation d'armes, filez vers l'arrière du lion où se trouve la régalée, aussi perdre la capacité d'appeler un bras. Ok. Bon, ça va, ils attaquent pas. Mais du coup, sans armes, on va faire comment pour se battre? Un coup de poing? Voilà, on peut vraiment pas se battre, donc je peux même pas taper avec les poings, les amis. Allez, la régale est juste là. Allez, c'est parti.
Allez, on se casse avec la lumière. Accélérer, ok, ouais, c'est nickel. C'est parti. Bon. Une petite course en voiture. Au moins, la regarder elle va servir à quelque chose pour une fois. Ah, les mecs ils se disputent. Pour que j'aille plus vite, hein. Donc faut juste éviter les obstacles, à ce que j'ai compris. Il y en a pas trop sur la route là. Oula. Oh, ils sont sérieux au final, hein. Putain, mais attaque vraiment ces enculés. Oh putain. まさか丸腰で帝都に侵入するとはな。クリスタルの力で本当に死骸どもを何とかできるのか。は、行ってみなきゃわからねえ。足止めるわけじゃねえだろ。ああ。Bon. Trouver l'entrée de la forteresse. Après cette petite panne de véhicule et ces petites courses-poursuites. Ok. On va essayer de passer tranquillement. Hein? Comment dire? Ouais. Eh ben, je vais pas rester longtemps tout seul. Parce que j'ai pas d'armes. Et on se casse. Ok, on va essayer de s'enfuir par là.
Ouais les amis, faut sortir le champagne. Il a enfin mis cette bague les amis, il l'a enfin mis. La note permet d'utiliser trois sorts spéciaux. Le premier sort est celui de la mort qui permet d'absorber l'énergie vitale d'une cible à la distance pour régénérer ses propres PV. Ah ouais, carrément, c'est plus la même technique de combat là, c'est les sorts de l'anneau carrément. Ok. Ah, ça devient intéressant. Non, on peut pas sortir par là. Du coup, on va continuer à avancer. Cette ville, en fait, apparaît en apparence un peu mignonne et tout ça, mais au final, elle a fait assez commercial industriel. Ça fait très... Vous savez à quoi me fait penser? Ça me fait penser à la ville dans Final Fantasy VII. Dont j'ai perdu le nom aussi. J'oublie beaucoup de choses. Ok, nickel. Bon, ce sort il est un peu long, mais à distance, il fait des ravages. Ok, nickel. On a activé les différents générateurs. Je vois si on a rien laissé par terre. Ouais, faut faire attention à tout ce qu'il y a par terre. Ça peut être très intéressant. Alors, c'est dans un jeu. Allez, meurs. Ok. On va continuer à avancer par là. Donc ouais. Après je vois pas où on pourrait aller. Bah tout ce lumière de toute façon. Je pense qu'il n'y a pas 500 000 chemins. Il y a plusieurs générateurs à activer. Et ça a l'air d'être assez simple. Pas trop. À dire pas trop énigmatique comme genre de choses à faire. Bon bah par là c'est bon, on a tout fouillé. Bon si à chaque fois c'est juste pour tuer des mecs avec l'anneau, ça va pas trop m'aider. Tu sais, j'ai l'impression d'être dans un Survivor Horror là, au début du jeu, où vous êtes avec un petit tutoriel, vous avez une... Et votre flingue, il met une balle aux zombies, voilà, il faut juste avancer. J'ai l'impression d'être dans la première énigme du jeu, quoi. Ça me paraît tellement simple que ça en devient stupide, en fait. Comme quête. Donc ici, c'est ouvert. Et là, on va activer notre générateur, je me semble. Alors, arrête de sauter, pignouf, et tu m'ouvres la porte. Voilà, nickel. On va monter là-haut, à 12 mètres, et on va aller voir tout ça. Ouh, il y a plein de commandes ici. Il doit y avoir une commande qui ouvre l'accès. Alors là, je sens que ça va devenir un peu plus compliqué, non? Non. Non, non, je me serais dit petit, j'ai un petit schéma à faire pour éviter que toutes les portes soient fermées, qu'elles soient toutes ouvertes. Non, non. Petite cutscene, il active tout à notre place. Au moins, c'est rapide. Et on perd pas notre temps. Ok. Bon, au final, ces mobs sont un peu inutiles. Merak a un sort d'anneau qui permet d'afficher des dégâts de lumière aux ennemis proches en esquivant leurs attaques. On peut pas changer ça en ce moment. Ok. C'est pas un problème. Ouais, bon, on va mettre la mille là. La mille. Qu'est-ce qu'on rajoute sur la chevalière? D'épéiste. Chevalière de chevalier. Bon, c'est un peu plus badass. Ok.
Nickel, mais là du coup, ouais, j'y pense. Comme là, mes sorts ils font pas trop de dégâts, je pensais à mettre l'uniforme sur la veste. Pour faire un peu plus de dégâts. Ok, bon, on va avancer un peu plus loin dans cette aventure. Alors, qu'est-ce qu'on a pu activer qui nous serait... Ah oui, cette porte. On n'est pas allé voir cette porte. Pas d'objet par terre ou... Non, 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 j'y arrivais. Ah, un endroit pour dormir. Dans Graella, les sauvegardes manuelles ne sont possibles qu'au Dometarium et au Dometarium. Ouais, en gros, on peut sauvegarder ici, quoi. On sauvegarde. Je préfère être un petit peu safe. Et faire ma petite sauvegarde juste ici. Ok. Bon, c'est du blabla sur les chasseurs. Ça nous intéresse pas. Moi, ce que je propose, c'est que on va dormir. Accumuler tout ça. Bon, on va passer level 38. Ah oui, d'accord. Il a un lit. Et on dort sur une chaise. The very good idea. Permet de faire un esquive sur des pièces de PM. Ouais, alors. Moi, je préfère, tu vois, quand tu as un mode stratégique. Et ben, permet de remonter la jauge stratégique quand vous vainquez un ennemi. Ça, c'est pas très utile vu que augmente les dégâts infligés en proportion des ennemis analysés. Augmente les chances de lésion. Ok, bon. Ça, ça peut être intéressant. Ouais. Après, le reste, c'est. Des trucs un peu bas de gamme, si je peux me permettre. 24, 12, 12, 48, 8. Rassembler pour annuler l'état de danger et regagner. Ok. Ravageur, non. Ouais, ça c'est des trucs pas très utiles. Ouais, tir permet à Brandon de faire une attaque spéciale au début d'un combat, augmente la jauge de commandeur. Le magasin fait une puissante attaque qui déséquilibre. Oh, ouais. Alors je préfère ça. Même si on a perdu Prompto sur le chemin. Voilà. Hop. Donne un peu mes PC. Ouais, un peu. Faut quand même augmenter nos compétences, sinon ça sert un peu à rien. Ok, hop. On continue notre aventure, prendre l'ascenseur vers la forteresse. Donc le combat du nouveau roi. Je sais pas c'est pourquoi mais c'est ce genre... Oh l'alternance. Ah oui, d'accord. Étant donné que j'ai plus de... J'ai plus de PM. Ah, j'ai plus du tout de PM, ça va être chaud là. Je viens de démolir tous mes PM. Et je sais pas quoi faire. Ok, nickel. Alors moi, là, j'ai récupéré pas mal de PM. Est-ce qu'il y a des items cachés? Il y a un petit item caché ici.
Alors j'ai pas compris ce que c'était l'attaque, c'était une sorte de grosse boule qui a absorbé l'énergie, qui a tué pas mal des diamonds qui sont venus nous embêter. Mais putain, ça m'a consommé ma mana, mes PM, putain. Ça par contre c'est pas très pratique. Surtout qu'après t'as pas d'armes pour te défendre. T'es un peu dans la merde. Copeau de fer, parfait. Ouais, j'avoue, depuis tout à l'heure, on n'a pas vu de citoyens ou quoi que ce soit, on a vu que des diamonds. Oh, je sens le plan foireux ici. N'est-ce pas, les amis? Le plan foireux, la porte qui se referme. On ne sait pas ce qui va nous adviendre par la suite. Mais en tout cas, on essaie de rassembler le maximum d'items par terre. Qui pourrait améliorer mon... faciliter... Ouh. Oh, vous êtes bien moche, les amis. D'accord. Ah ouais, ça fait ça, carrément. Waouh. C'est impressionnant. Ça les désintègre, en fait. Entièrement. Sympa ça. Ok, là, alors là on doit être on est dans la forteresse, je pense. Je suis sûr qu'ils doivent être quelque part, mon petit Noctis. On va les retrouver. Oula, alors là ça sent le... Vous savez le... l'infiltration haut de gamme. By Square Enix. Comme on la connaît tant. Ouais. Pas grand chose qui pourrait nous faire mal. Bon, ça reste assez un peu sombre. On pourrait se tomber sur un mob surpuissant. Les berserk patrouillent sur un chemin précis. Si vous repère, vous devez les combattre. C'est de faire opérer par les escapes en vous cachant dans des internats, ça est utile pour récupérer des PM. Merde. On va se cacher par là. On va attendre qu'il passe. Ouais, je savais que ces petites cachettes allaient servir à quelque chose. Mais à ce point... Comme je dis, dans la partie 2, j'ai l'impression qu'ils rajoutent tout ce qu'ils voulaient mettre dans cette partie, tout ce qu'ils ont inventé dans le jeu, pour nous l'en faire partager, je crois. Ok. Une forêt ne peut ni ouvrir ni utiliser un... Mort, mort, mort! Oh putain! Ok. Là, il va nous chercher.
En espérant qu'il me... qu'il puisse pas me voir. Ah ouais, l'anneau, il est complètement inutile contre eux, quoi. Ils sont bien trop rapides. On va voir si en passant... Ok, on va passer par là. J'espère pas en rencontrer d'autres. C'est pas le genre de... Oh putain! Oh le bâtard! Ah ouais, ils sont bizarres, mais plus que bizarres. Hein. Allez, étage supérieur. Ah bah j'y vais direct. Ok, on va trouver la bonne carte. Oh, oh putain. Oh. Cet enfoiré, il fait flipper, quoi. Il reste vous ou pas? J'ai l'impression d'être dans un survival horror, les amis. Putain. Il m'a fait flipper, ce bâtard. Il m'a fait flipper. Mais vous imaginez même pas. Hashtag peureux. Désintégrer ma poule. Oh, on peut y accéder, c'est nickel ça. Ok, on peut accéder ici. Bon, il n'y a rien à récupérer ici. Putain, la bague par contre elle est utile pour juste l'alternance. L'alternance c'est assez rapide et ça désintègre l'ennemi en 2-2 quoi. Ok, ouais, on est bien dans la base militaire. Quoi? Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que la porte n'allait pas s'ouvrir. Ensuite. Comme par hasard, il n'y a qu'une porte qui peut s'ouvrir. What? Pourquoi il y a des sortes de gammes magitech par terre? Ok, on essaie de récupérer le maximum de trucs qu'on peut récupérer. Mais on va quand même avancer en restant sur nos gardes. Quoi, Prompto ? Mais qu'est-ce qu'il me fait lui ? Attends, c'était Prompto, non ? Ce serait lui qui aurait fait tout ça ? Tous les gardes sont morts quoi. Montre brisée. Ok.
ça doit nous servir à quelque chose, ça. Ok, déjà. Meurs. Ok, nickel. Ouh. Allez. Allez, Iso. Non. Meurs. Non, 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 il se passe quoi là? Allez! Bon, j'espère qu'ils vont arrêter de me poursuivre. Oula, comment il m'a pris dans le trou, il m'a balancé en dehors en mode allez, je t'ai vu, dégage de là. Sors de ton petit trou, ma poule. Alors, j'ai pas compris pourquoi l'alternance n'a pas réussi à les tuer en fait. Je les ai vus se faire absorber et. Hop. Non, pas du tout. Ils sont encore en vie. Je sais pas comment je vais sortir le mode combat, mais... Putain, j'espère qu'il va pas me pécho. Allez, trop de vent là. Claque-le. Ok, il en reste un. Ok, on récupère notre PM. Et on va se faire le dernier. Ok, l'alternance au début, elle aurait dû définitivement le détruire. Et ça l'a pas du tout fait. Donc là, on va retenter. Allez, viens. Allez, viens ma poule, viens. Allez, viens, hop. Suis-moi. Allez, hop, meurs. Non. Bon, super élixir. Fini, 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 fini. Désolé. Ok. Bon, un lieu pour coucher. Ça c'est cool. Ok, on le débloque.
Essayer de flatter sur différents niveaux de sécurité pour les ouvrir, il faut avoir une carte d'accès d'un niveau suffisant. Tiens, ça me fait penser à Metal Gear. Augmenter le niveau de votre carte à l'aide d'un terminal de sécurité. Ok. Ils vont pas me faire chier jusqu'au bout. À force, je vais péter la porte, tu vas voir. Quel est cet endroit ? Allez hop, on augmente notre carte de sécurité. Ok. Franchement, si c'est pas un petit clin d'œil à Metal Gear, je sais pas ce que c'est. Hein. Ah. Vous-même, vous le savez, pour ceux qui le savent pas, j'ai fait des let's play sur Metal Gear. Et ce niveau de carte, enfin après, beaucoup de gens l'ont utilisé, hein, c'est peut-être juste pas du tout un clin d'œil. En tout cas, même les portes, elles me font penser à ça. Vous savez, quand vous rentrez dans Metal Gear 1 avec une carte, ça faisait ce petit bruit. Tchit, tchit. Et hop, ça ouvrait. Direct. Allez, prends-toi, reviens là. Arrête de jouer à cache-cache. Ou Ardina. Arrête de jouer avec nos nerfs. Oh. Fini. Salut. Mais s'il va tenir longtemps mon prompto. Prompto. S'il y a une autre porte. Ok. Faut que je trouve quelque chose là. Faut que je trouve quelque chose. Là. Oh, fais chier, putain, sa mère. Crève votre part, là. Crève pas devant moi, mec. Ramasseur d'ordures, bah. On va pouvoir passer par là. Je sens encore un screamer de leur part, là. Ça va bien me faire flipper. Ok. Et ouais, ma poule. Salut. Salut. Je m'appelle Noctis et j'ai des super pouvoirs. On va pouvoir avancer par là. Ce qui m'intrigue, c'est que tous ces robots Magitech par terre. Et j'ai pas la possibilité d'avancer. Et voilà. Bon, j'espère que Prompto, c'est pas une hallucination qu'on va vraiment retrouver Prompto. Parce que là, jouer tout seul, on va dire que ça reste assez chaud. Ma poule, réveille-toi là. Tiens, je m'en doutais. On va pouvoir augmenter les niveaux de carte. On va récupérer la même. Bon, par contre, ouvrir les portes à chaque fois, c'est. J'ai l'impression qu'il y a des ennemis qui doivent jouer. Mais non, c'était pas.
Oh, oh, le petit malin. Le petit malin, il faut les jouer avec moi. Et bah tu vas y passer, voilà. Merci. Salut. Allons-y. Allons-y, allons-y. Désolé. C'est fini pour toi. Nickel. Waouh, putain, c'est vraiment un bordel monstre ce labyrinthe. On va continuer à avancer et on va voir où ça va nous mener, mais bordel, on nous envoie dans des lieux, mais tellement bizarre. Avec ce psychopathe en plus, avec sa voix là. Je l'aimais bien au début, il paraissait gentil et en fait il nous a bien trompé. C'est comme, vous savez, le petit marchand de sucettes. Tu veux une sucette? Et après voilà, hop, pédophile, hashtag pédophile, et t'as l'impression qu'il est hyper gentil. Bah là j'ai plus pareil, on s'est bien fait tuer depuis le début. Non mais franchement, vous n'allez pas me lâcher avec vos robots? On va pouvoir passer au deuxième secteur. Qu'est-ce qu'il va nous réserver cette fois dans le secteur A03? Ça va être autour d'Ennis, c'est ça? Ou de Glodius, c'est ça? Il va faire encore miroiter des belles illusions. Oh, j'ai pas l'impression en fait. J'ai l'impression qu'il nous amène encore plus haut. Ouais, j'ai l'impression qu'on monte en hauteur là. Ne serait-ce pas le cristal? L'alimentation est coupée. T'es marrant toi. Ça doit l'alimenter ça, je pense. Le carabinier n'est pas reconnu pas mal, il en faut une spéciale. Oh là là. Bon, suivons l'objectif, on va peut-être trouver la carte par là. Même si cette porte petite entrouverte, on fonce dans un piège clairement. Clairement par un démon quoi. Ouh, il a l'air pas un peu badass celui-là. Alors est-ce que sur celui, je sais pas si ça marche, mais bonjour. Il a pas l'air agressif. Allez hop, va dans le cristal. Salut. Bon, bah écoutez, ça a l'air d'être très efficace, ce genre de cristal. Enfin, j'appelle ça, on va plus, c'est plus l'anneau, hein, bien sûr, mais franchement, ces sorts sont vraiment utiles. J'espère qu'on pourra le garder indéfiniment, ce serait pas mal pour les quêtes. Mais ce serait un peu... Alors lui, il va pas nous lâcher. Si. Oh,
où je pourrais aller. Allez, meurs. Oh, il prend plus de temps celui-là. Ouf. Ah oui, d'accord. Ça va pas être si facile que ça. Non. Bon. Là, j'ai été carrément... C'était par là donc. Ok, rien de plus simple. Fallait juste réfléchir. On va aller chercher cette carte pour activer l'ascenseur. On a, je pense, rien de mieux à faire. Mais bon, ces murs invisibles, c'est vrai que c'est un peu chiant. Faut être d'accord, hein, c'est un peu con de pas pouvoir sauter, voilà, de là, de là, à là, tu vois. C'est un peu bête, c'est même illogique. Mais que voulez-vous? Ok. Carte d'accès de l'ascenseur. Ok, ça c'est nice. Ensuite, on va aller, on se casse. On reprend ce petit ascenseur et nous allons à l'ascenseur central. Il a l'air d'être énorme cet endroit. Allez hop, cristal. Vous y allez. Oh, j'ai plus de PM là, ça va être chaud. On va essayer d'avancer. Je me demande qu'est-ce qu'il y a bien, il peut y avoir bien à voir dans tout ça. Ouais, si on fuit au final, ça passe quoi. J'ai l'impression que qu'il va y avoir un piège ici par ici. Je sais pas. Mais je le sens tellement bien. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on va directement à l'ascenseur. Hein. Je sais pas ce que je fais là. Je vais peut-être me faire à la suite de la quête sans le vouloir, mais. Vous savez, ça donne toujours envie de. Ok. Voilà. Et là. Allez, bonjour. Salut.
moins je les ai pulvérisés. Ça en fera moins pour tout à l'heure. Mais c'est ça qui est bête, t'as des putains de caisses, tu peux sauter dessus, mais non, tu peux pas. T'es obligé d'attendre. Il en restera plus qu'un, je pense, à neutraliser, mais bon. Si je reviens ici, bien sûr, je pense pas. J'ai l'impression que c'est un peu inutile. Bon, ce que j'espère pas, c'est que quand je vais activer l'ascenseur, il va éteindre toutes les lumières et je vais devoir me démerder. Ça, ce serait gros crevard. Alors, Gargantua, tu vas m'attaquer? Non, t'as peur de moi, ma poule. Ah! Tapette. Tapette, le Gargantua. Non, franchement, avec l'anneau, c'est... J'ai l'impression que c'est un peu assisté, quand même. Ça reste de l'infiltration, un peu raté, surtout. C'est... Tu peux pas vraiment t'accroupir, tu peux pas vraiment marcher lentement. Et ça, c'est vraiment, vraiment con. Du père, et du coup, on a notre pauvre Ravus qui est mort. Au final, j'ai cru qu'on allait au moins le rencontrer, mais non. En fait, j'ai bien qu'il ait reçu la grâce du foudroyeur, notre fils est toujours aussi faible et désespéré qu'un enfant. Oublie les serments, les nafrayeurs, le prince n'est pas digne de ton sacrifice, ni même que je remette l'épée de sa majesté Régis. J'ai l'impression en fait qu'il y a eu un combat. Alors, soit l'empire. L'aide de refuse reste sous la protection d'un cordeau, n'entre pas en contact avec quelqu'un pendant le temps de l'Empire, je ne saurais t'empêcher d'accomplir le serment si c'est ce que tu souhaites. Je ne puis que prier que tu y survivras et tu jugerais de remettre l'épée de sa majesté Régis à notice s'il acquiert le pouvoir du roi élu. Ok. Donc j'ai l'impression en fait, il y a eu des mecs de l'Empire parce que j'ai pas l'impression que c'est des robots Magitech ça. Ou si je vois moi assez mal. Mais en tout cas, il y a eu un combat assez sanglant. Alors est-ce que c'est Ravus qui a fait ce massacre? Ou est-ce que c'est Ravus et son escouade qui s'est fait massacrer? En tout cas, c'est... Je trouve ça dommage qu'il meure aussi bêtement. Mais en tout cas, voilà, on a eu loot une nouvelle arme qui s'appelle l'épée du roi. Et elle est vachement badass. En tout cas, on se retrouve rapidement pour la suite de notre Let's Play. Car oui, l'épisode est terminé. Et on se retrouve rapidement sur Final Fantasy XV.